Ok, bienvenue chez Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer aujourd'hui avec notre cours sur les nombres complexes. On va parler de la linéarisation, d'accord? On va rappeler donc quelques formules tout simplement. Donc, rappel, le cosinus x est tout simplement égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, d'accord? Sinus x est tout simplement égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. D'accord? Sans toutefois tarder, on va donc passer directement aux exercices d'application pour comprendre de quoi il s'agit. On demande donc à l'exercice de linéariser donc tout simplement cosinus carré x, sinus carré x, cosinus au cube de x et sinus puissance 3 de x. D'accord? On va directement donc commencer la résolution de l'exercice. Donc, résolution. On commence donc avec cosinus carré x. D'accord? Cosinus carré x sera donc tout simplement égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix, d'accord, sur 2, le tout au carré, d'accord. Ok, donc on aura donc exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, d'accord, le tout au carré. Ok, on va donc développer tout simplement, en développant, d'accord, on aura donc 2 au carré, ça fait donc 1 quart. On aura ici donc exponentielle i 2x, d'accord? Exponentielle moins i 0, d'accord? Plus exponentielle ix exponentielle moins ix, d'accord? Plus exponentielle exponentielle moins i d'accord donc on va donc utiliser le triangle de Pascal pour tout simplement pour trouver dans le coefficient. Or, le triangle de Pascal, on a dans la ligne 0 qui est tout simplement 1 1 1 D'accord? Donc, à la puissance 2, tout simplement, on a le coefficient 0, coefficient 1, coefficient 2. Donc, au coefficient 2, on a tout simplement 1, 2, 1. D'accord? Ça veut donc qu'on vient ici, on met ici 1, 2, et ici, on met 1. Or, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que le développement, c'est i exponentielle ix plus exponentielle moins ix, d'accord? De tout au carré. Donc, la puissance ici commence donc à 2. Au fur et à mesure, ça diminue, d'accord, jusqu'à être nul. Pendant ce temps, ici, c'est-à-dire exponentielle ix commence à 0. Ici, ça continue, ça évolue à 1, d'accord, jusqu'à arriver aussi ici à moins 2. Donc, voilà le principe. Ce qu'on va donc faire tout simplement, on va donc calculer et regrouper tout simplement les puissances de même nature. Donc ici, on aura tout simplement ici exponentielle i 2x plus 2. Ici, on aura donc plus exponentielle moins i 2x. On va donc recouper
exponentielle i2x avec exponentielle moins i2x. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On a vu ici que cosinus x est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. D'accord? Ça veut dire que 2 cosinus x est tout simplement égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix. D'accord? Donc, ça fois ça est égal tout simplement à ça. Donc 2 cosinus x égale exponentielle ix plus exponentielle moins ix. Ceci nous amène donc rapidement à simplifier ici que pour comprendre que ça là donc ça sera donc tout simplement donc tout ça sera tout simplement ici cosinus ça sera tout simplement ici donc 2 cosinus 2x. D'accord, on aura donc 2 cosinus 2x. 2 pourquoi 2x pourquoi? Parce que ici là c'est 2x, d'accord. Ok, donc on peut donc écrire tout simplement 1 quart 2 cosinus 2x plus 2. On peut donc simplifier tout simplement par 2, d'accord. Donc comme on a 4 ici, on reste donc avec 1 demi. Donc on peut donc dire tout simplement que cosinus carré x est donc tout simplement égal à 1 demi, d'accord, de cosinus 2x plus 1. Donc voici donc la forme, la linéarisation donc de cosinus carré x. D'accord, là nous avons écrit cosinus carré x en fonction de cos x, en fonction de cosinus x. D'accord, donc voici la forme linéarisée donc de cosinus carré x, tout simplement. Ok, nous allons donc linéariser sinus carré x, d'accord. Nous savons que sinus x est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, d'accord. Ce qui veut dire que sinus carré x sera tout simplement exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, le tout au carré. D'accord, on va donc développer cette expression. I au carré, c'est-à-dire le dénominateur i au carré, ça fait donc moins 1. 2 au carré, ça fait donc 4. Donc, on aura tout simplement moins 1 quart. D'accord. Exponentielle. I. 2x. D'accord. Moins. Exponentielle. Ix. Exponentielle. Moins ix plus exponentielle moins i 2x. D'accord. Donc comme nous sommes en train de développer le sinus x, d'accord, lorsque la puissance de moins ix sera donc paire, on aura le signe plus. Lorsque ça sera impair, on aura le signe moins. Nous commençons ici avec exponentielle. Donc avec moins exponentielle i puissance x puissance 0. D'accord? Donc exponentielle ix moins ix puissance 0. D'accord. Ensuite, puissance 1. Ensuite, puissance 2. Donc, on commence avec 2 ici. Au fur et à mesure qu'on évolue, ça diminue. Comme ici, on a i puissance 2x. Ici, on a ix. Et enfin, ici, on aura tout simplement donc exponentielle
x puissance 0. D'accord? Alors que cependant, moins exponentielle i moins ix commence à 0 et au fur et à mesure ça augmente à 1 pour terminer donc à 2 à ce niveau-ci. Maintenant, on va donc tracer le triangle de Pascal. D'accord, on commence par 1, niveau 0, niveau 1, on a 1, 1, niveau 2, on a 1, 1 plus 1, ça donne 2, on met encore 1 ici. D'accord, niveau 3, on a 1 ici, 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. D'accord, nous sommes au niveau 2, donc nous sommes ici. D'accord, à la puissance 2, donc le coefficient donc sera tout simplement 1, 2, 1. Donc ici on aura donc 1, 2, 1. D'accord, on aura donc moins 1 quart. Exponentielle i 2x exponentielle ix moins exponentielle moins ix, ça fait donc exponentielle tout simplement 0. Or exponentielle 0 est tout simplement égal à 1, donc on aura tout simplement ici moins 2. Ici là exponentielle 0 encore ici on aura 1 plus exponentielle moins i 2x. On va recouper dans les 2x. Exponentielle i 2x avec exponentielle moins i 2x. On aura donc moins 1 quart exponentielle i 2x plus exponentielle moins i 2x moins 2. D'accord, on aura ici donc moins 1 quart. Or nous avons vu que cosinus x est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, d'accord, ce qui veut dire que 2 cosinus x est donc égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix, d'accord. On voit que l'expression ci, d'accord, est semblable à cette expression. Donc ici on aura donc 2 cosinus 2x parce qu'on a exponentielle 2x, d'accord, moins 2. En ce moment, on peut donc simplifier tout simplement le dénominateur par 2, d'accord, avec 2 ici et 2 là. On aura donc moins 1 demi de cosinus 2x moins 1, d'accord. On peut donc développer avec le signe moins, ça va nous donner tout simplement 1 demi facteur de 1 moins fois moins plus. Donc ça fait 1 moins cosinus 2x. Donc sinus carré x est tout simplement égal à 1 demi facteur de 1 moins cosinus 2x, d'accord, c'est-à-dire tout simplement 1 demi moins cosinus 2x sur 2. Donc voilà l'expression de la linéarisation de sinus carré x, d'accord. Donc voilà le principe. Donc on a développé tout simplement en utilisant la formule, l'expression de l', d'accord. Donc quand c'est avec sinus à ce niveau-ci, lorsqu'on veut développer, donc on commence par la plus grande puissance qui sera donc 2, d'accord. Cependant, moins exponentielle ix, son développement commence à 0.
Au fur et à mesure qu'on augmente ici, ça quitte de 2, puissance 2 à puissance 1. Pendant ce temps ici-là, c'est-à-dire moins exponentielle ix, d'accord, quitte de la puissance 0 pour arriver à la puissance 1. D'accord? Ça quitte de la puissance 1 pour arriver à la puissance 2. Pendant qu'ici, ça quitte de la puissance 1 pour arriver à la puissance 0. Or, chaque fois que la puissance est paire, on a le plus. Lorsque la puissance est impaire, c'est-à-dire la puissance de moins exponentielle ix est impaire, on a donc moins ici. Donc voilà le principe, comment on fait donc pour linéariser lorsqu'on a affaire au sinus. D'accord? Ok, donc on peut observer tout simplement les différentes étapes que nous avons donc utilisées. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!